de Buildcraft. Ok. Oui. Ouais, je sais pas, je suis en rendez-vous. Non, non, je. Voilà, parce que je faisais la micro-coupure, et donc là, normalement, on est reparti, mais je vérifie que le live s'est bien relancé. Vas-y, donc montre-moi comment tu t'en sers, hein, histoire qu'on puisse lancer le quiz. Attendez, attendez, je veux que le live soit relancé aussi. Ouais, c'est bon. Le live est Donc, relancé, là? ouais, c'est bon, je le vois. Ah, moi, je le vois pas. Ben, fraîchis. Alors, là, Ouais. et quand on va faire clic droit, voilà. D'accord, bon, c'est très bien. Donc, on va garder cette Ok, donc range. il a fait un clic droit avec la clé à molette Donc, en on va métal. garder cette Ok, donc range. il a fait Voilà. un clic droit avec la Merde. clé à molette Donc, en on va métal. garder cette Ok, range. donc il a fait Un bloc de voilà. boules. Et un clic droit. Merde. Et donc là, il va falloir rajouter les ressources qu'on voudra Dans le refaire passer dans noir. un coffre. Bah, J'en donc ai il refait nous un faut autre parce qu'il était assez gros. Il était assez il chiant faut comme du chose. diamant et de nicolite. Hein. Le diamant et la nickelite. La Un nicolite, diamant la et une nickelite. On nickelite. a les deux. On a les deux. Hop. Et rien d'autre? Tu veux vraiment... Non mais je les ai, ok. Non, je pense que j'ai tout en fait là. Là j'ai quoi? Alors, fondamentalement j'ai le copper, le silver, le gold, le saphir, le tin, l'iron, la redstone, l'émeraude, le lapis, le rubis, la nickelite et le diamant maintenant. Donc en bas il y a la terre et la dirt et le gravier. Il faut... Ah parce que c'est pris? Ah oui quand même. Chaud. Bah attends, réfléchissons. Pourquoi on met un diamant? Quand même, s'il Comment se ça, retrouve pourquoi dans on met? l'énergie condenseur, il va rester en forme de diamant, il va pas se faire condenser en diamant. Bien sûr que si. Bah oui, mais si on met autre chose que l'énergie condenseur dans le diamant, si on met autre chose qu'un diamant dans l'énergie Ah d'accord. condenseur en source, il va se transformer, hein. Ah Ok, oui, ok. c'est vrai. Ah ouais, mais ce que je trouve dommage en fait, gâcher un diamant, c'est pour ça, quoi. Ben, on gâche une recharge pour ça, de toute façon. Bah je sais pas, solo ça ne me faisait pas ça. Par Après, contre, je comprends pas. il n'y avait pas un truc que j'avais cru que j'avais vu, donc peut-être dans ton tuto, justement, Coolman, il n'y a pas une histoire de portée maximum des tuyaux? Certains maximum de Non. tuyaux, non. Non, Ah bon, donc les c'est... tuyaux vont amener sans problème les ressources jusque là-bas, quoi. Ils vont l'emmener sans problème, par contre, ça va être lent. C'est ça, en fait, de ce que tu as vu. Ça, c'était les Golden Transport Pipe. Peuvent pousser jusqu'à 16 blocs. De rapidité. Il va nous falloir derrière les golden pour aller plus vite sur la récolte. Ouais, je Bon, vais bah, en c'est faire comme alors quelques-unes. comme on est avec de l'enjaillé en charbon, je suis pas sûr que ce soit utile d'avoir un boost parce qu'on va récolter doucement de manière. Mais justement, c'est pour que ça aille plus vite. Pour que ça se déplace plus vite, surtout. Oui, non, mais Voilà, c'est ça sert ça. à rien que ça aille plus vite parce qu'on sera limité par la vitesse de récolte de toute manière. Ben non, Loki. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir un tuyau qui peut aller à 200 km/h si la machine va à 50, ça sera bridé par la machine. Non, non, t'as compris. C'est-à-dire qu'il y a un Gold Transport Pipe, tu le mets là au milieu, et Oui. quand la ressource va prendre, sa vitesse va être multipliée par 16 ou 32. Oui, ça j'ai bien compris, oui. Ouais, et ben. Oui, mais à quoi ça sert de faire avancer les trucs beaucoup plus vite dans la machine, si vu qu'elle, de toute manière, là, la machine qui récolte, qui va creuser, elle va choper, genre par exemple, je sais pas, un bloc toutes les 10 secondes, je dis ça au hasard, je connais pas les vitesses. Hein. Ben pour que ça arrive plus vite jusqu'au four et que ce soit donc converti plus vite. Oui, mais ça peut pas aller plus vite que la vitesse de récolte, de toute manière. La vitesse de récolte n'ira pas plus vite, mais quand ça passera dans la pipe en or, la ressource arrivera plus vite à la maison. Donc elle sera exploitée plus vite, donc on aura une barre plus vite, fondamentalement. Je vais me faire chaud par un squelette, si quelqu'un a quelque chose pour le Mais la buter. machine ne met pas Un coup de bâton! un toutes les secondes, hein, elle récolte un minerai par seconde. Donc c'est un peu plus. Voilà. 2, 3, 4. Je pense que là au croisement ça va être bon. Ouais, ça marche. Un petit peu Ah bah non, c'est déjà réparé, cool. Non, mais il fait passer de là. De quoi, ma Ah voilà, c'est lui qui l'a fait. Aïe. C'est marrant. Je viens de trouver un truc marrant. Quoi? Ah, donc les amis, ça ne se voit pas comme ça à la première vue, mais un tuyau qui passe au-dessus de la glace glisse comme de la glace. Ah oui? C'est pour ça que moi et Mayu, on s'est tous les deux pété la tronche arrivé au virage, en fait.
on a un réflexe qui est stupide, hein, mais complètement stupide, mais à la fois très humain, comme on ne sait pas quoi faire pour tourner, on saute dans l'eau. En fait. C'est vraiment stupide. Ça veut dire que Manu va faire la même. Non, regarde, regarde. J'y arrive, Mais j'ai l'impression, dans le virage, j'ai l'impression de patiner comme les voitures dans le jeu. Oh, je sais plus, c'était Dodge Racing, un truc comme ça, où tu conduisais que des Dodge Viper. Désolé, t'as trop de culture pour moi. Bon, maintenant, je crois qu'on est là. Bon, alors, on va lancer Square Enix. Alors, voilà, donc là, je mets du charbon dans les machines. Dans les deux, pareil. Ouais. Ah bah, il y en a déjà. Ah, j'en ai déjà mis, mais je vais te faire... je voulais te voir le fail en direct. Ok. Bon, on lance la première. La seconde, et on regarde, on observe. Oui. On observe, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, rien. Ah bah, si, c'est la chose, mais bon. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, là, où il est ? Où il est ? Voilà. Oui, où il est ? Bon, alors, oui, les Robbie. Donc là, on a des échafaudages en métal qui sont en train de se monter autour de notre. Ah non, il n'y a pas Robbie hein, sur tes kits. Il n'y a pas Robbie. Il est Robbie. Il n'y en a pas sur tes kits. Ah merde. Bon, normalement, il y a Robbie qui. Il y a un petit robot en fait qui va, avec un laser, délimiter toutes ces zones. Il va construire les frames en fait. Il va les mettre tout autour. Ensuite, avant que ça se construise, mais là en fait il n'y a pas eu de besoin, mais il aurait dû avoir, il aurait dû dégager tous les blocs dans la zone de landmarks. Donc l'intérêt c'est pas faire des trucs hyper grands ou hyper en dessous, faut vraiment faire le minimum en hauteur pour éviter qu'ils creusent trop. Les ressources qu'ils creusent au départ ne sont pas récupérées. Avant de préparer le machin, il va déjà effacer tout ce qu'il y a dans le cube qu'on a délimité, quoi. Ah, j'ai rien compris, Pullman. Donc, ami joueur, ça veut dire qu'en fait, avant de commencer à creuser et de récolter des ressources, que fera le logiciel, c'est déjà d'effacer tout ce qu'il y a ici, entre les zones délimitées par ces petites barres jaunes et noires. Oui, bien sûr, ouais. Donc, il vaut mieux faire le ménage avant, comme ça vous évitez de perdre du temps et des ressources pour rien. Voilà, mais si vous avez envie de raser montagne, c'est une très bonne alternative. Vous mettez des landmarks partout autour et un bon query, la montagne va se faire effacer. Voilà. Donc ça va se construire, voilà. Et ensuite, bah, la query va... Donc le tour est fini. Là, voilà, ça va faire les poteaux. Voilà, on va remonter les poteaux. Donc c'est la machine qui s'auto-construit, grosso modo. Hein. Ah, exactement. Alors si je peux pas en faire un petit peu de bouffe. Non, c'est certainement le live qui lag. Ça, j'ai des problèmes comme ça des fois avec ma bande passante qui fait du yo-yo. Donc ça, je peux rien y faire malheureusement. Avant de trouver un généreux donateur qui me fasse installer la fibre optique chez moi, vu que c'est pas câblé dans ma rue, donc je peux pas faire autrement. Donc si vous voulez payer une équipe de BTP pour défoncer les trucs, faire passer de la fibre optique dans ma rue et compagnie et tout ça, bah je pourrais que sous staff prendre un abonnement fibre optique et ensuite il n'y aura plus de lag. Maintenant ça va vous coûter cher. Voilà. Bon, et moi j'ai. Si vous avez assez d'argent pour payer une équipe de techniciens, vous pouvez bien vous en reverser 10%. Plus fondamentalement, moi aussi j'ai besoin d'argent. C'est normal qu'il n'y ait plus rien qui avance. Ah si, ça y est. Si, ça avance, t'inquiète pas, mon Luc. les tuyaux métaux sont presque finis. Voilà, vous voyez que les petits trucs jaunes et noirs ont disparu, il reste plus que le métal orange là. Et donc ça veut dire que ça va pouvoir commencer à creuser. D'ailleurs, ça a commencé à creuser. Ah ouais. Bah, apparemment, dans le coin, il manque. Normalement, il n'y a pas un espèce de bras qu'on voit. Bah si, normalement, je l'appuie, il ne devrait pas tarder. Hein. Normalement, bah, c'est pas rond en fait. Coucou.
Goulman, est-ce que tu vois le bras? Oui, ah oui, il est là. Décor éco. Non, ça y est. Ah, si, ça y est, je le vois. Voilà. Vous voyez, il y a un petit truc avec la une petite fraise en diamant. Et regardez les premières ressources commencent à être acheminées. Voilà. Mmh. Regardez, vous voyez quand ça passe la diamant, la truc en or. Zoup. En fait, quand ça passe l'angle en or, moi je les vois plus. Mmh. Elles réapparaissent là, en fait. Et donc ça commence, et c'est justement notre système. Voilà, et là, comme j'avais dit, le sable, il a éjecté la pipe parce qu'il trouve nulle part où aller. Donc il fallait bien du sable. Bon, après le sable, hein. Hop, voilà, allez. Unité réduite. Et j'ai un petit écho. Un sable, utilité réduite, non, ça vaut 1 EMC de la même façon qu'un pierre ou un. Voilà, et par exemple, là, vous voyez, ça arrive ici, vraiment. En fait, il n'y a rien qui arrive dans le. Ah oui, parce qu'ils bougent lentement maintenant. Voilà, ils arrivent là. Vous voyez que ça charge petit à petit le truc. Donc quand ça arrivera à je ne sais combien, on gagnera un diamant. Quoi. Voilà. Et de l'autre côté, normalement, les autres, quand ils trouveront des ressources un peu plus précieuses, ils arriveront dans le coffre qui est là-dessous. Voilà. Ah, c'est trop. Par contre, c'est ce qu'on n'a pas fait qu'il va falloir faire. C'est quoi? C'est de foutre de l'eau. Pourquoi? Parce que le query a la fâcheuse habitude de s'arrêter dès qu'il touche de la lave. Ah. Bah, de manière, il faudra qu'on vienne régulièrement recharger pour mettre du charbon, donc. Voilà, et donc théoriquement, il est conseillé de faire votre query dans l'eau. Pour la simple et bonne raison que quand l'eau descend plus vite que le query, ça va mettre la lave en pierre ou en liène. Ça dépend comment ça va toucher. Et ça va permettre au query de continuer de miner, en fait. Ok, d'accord. Parce que là, s'il croise un bloc de lave ici, par exemple, un peu plus bas, bah, il va s'arrêter, il va remonter, il bougera plus. On bougera plus. Ok. Bah, on fera des travaux de maintenance à ce moment-là. Voilà, c'est l'idée. Sauf que quand ça descend jusqu'au niveau de la bedrock, ben bah, tes travaux de maintenance. Plus cher que le query. Voilà. C'est magique. Oh, hein. Ouais, c'est magique. Bon, bah, je sais pas, il faut qu'on se trouve un truc à faire parce que sinon je vais rester en plan fixe à regarder ça toute la soirée. Une raffinerie. C'est pas intéressant, cool, mais presque. Cool man, il nous faut une raffinerie, il nous faut deux engines pour aller pomper de l'eau dans les tanks. Énorme flemme. Énorme flemme, hein. Parce que là, c'est... là, j'ai un petit peu la flemme de me faire des raffineries, là, je t'avoue, ouais. Oh merde. Quoi? Oh le salaud. De quoi? Quoi? On a la pompe qui est tombée dans le fioul en bas. La quoi? Oh merde. Je vais chercher, je m'en fous, je viens voir. Rends-moi ma pompe. Rends-moi ma pompe de suite. Non, merde, pas, je vais venir te chercher, je m'en fous. Oh, ça y est, comment il est parti? Pardon. C'est tellement improbable, quoi. Oh, un fail avec nous en live. Bon, c'est pas improbable, c'est inévitable. Oh putain, mais il y en a beaucoup du fuel là, encore là-dessous là. Ah bon? Bah, je crois qu'il avait fini de tomber. Tu déconnes. Bah, c'est vrai, ah, mais je sais où il va. Oh, le truc de négro. C'est pas cool ça. Bah, ça va dans la grotte, je suppose. Oh putain. Oh putain, mais il y en a. Oh, mais il y en a à chier quoi. Oui, ça va dans la grotte. Mais je te rappelle que j'en avais trouvé dans la grotte aussi. Oh putain. Oh oui, mais il y en a une quantité, mais astronomique. Montrez-moi ça. Ah oui, mais c'est ça. Attends, c'est le passage que j'avais trouvé moi dans la grotte, ça, je suis sûr. Bingo. Attends, je vais me noyer là. Il faut remonter. Mais non, mais t'as un passage pour aller dans la grotte là. Mais où? Nage dans le pétrole là. J'avais trouvé ce pétrole là moi dans la grotte, que j'avais pas été voir à l'intérieur. Bon, ben j'ai la flemme de remonter parce que je connais pas la sortie, alors je vais remonter par là. Oui, je vais te montrer la sortie, moi, suis-moi.
tout, les putains, oh la chute de pétrole qu'il y a, quoi. En plus, la sortie est juste à côté, sérieux. Oh le chier de pétrole, quoi. M'en fous, je suis un rebelle. Ah ouais, c'est juste à côté. Ouais, c'est ça. Bon, alors, je crois que je vais vous suivre. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on réamorce la pompe à pétrole, quoi. Elle est où la sortie, les gars? Je reviens en arrière pour te chercher. Voilà. Je suis à la nappe là, de pétrole. Là, Loki, je te vois. Je suis là. Là, ah, d'accord, ok. Suis-moi. Oui, bonjour. Allez, Igor, suis-moi. J'appuie. On répond oui, maître, quand on est poli. Oui, monsieur. C'est pas mal aussi. T'auras un choc à pic. J'arrive prestement. Ah. On a oublié le Toxten. Toxten. Ah ouais, faut le convertir. Ah merde, ah oui. Bon, c'est un peu improbable qu'on en trouve, mais bon, faut le mettre quand même. Bah, vu ce qu'on a trouvé depuis le début, c'est pas si improbable que ça, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai dit c'est pas faux. Bah, pour ça que je te demande, qu'est-ce que t'as pas compris? Ok, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais t'as jamais regardé Camelot, toi? C'est pas possible. On n'a pas oublié le coach, ça va? Quoi? Ouais, ah oui, on n'a pas mis de coal non plus. Il va falloir mettre de l'eau maintenant, attention. Bah, le coal, on peut pas directement faire un système de le mettre qu'il arrive directement dans les Xinjiang? Ouais, non, enfin, on va peut-être pour rien. On pourrait. On pourrait, mais ce serait chiant. Ouais, c'est ça. On pourrait mettre un embranchement, ici et puis pointer des Xinjiang avec, quoi. Bon, ouais, alors je sais qu'il faut mettre encore du fuel. Bon. Ça serait bien. Surtout qu'il faudrait, remettre. Ah oui, si on met. S'il y a un embranchement comme ça branché sur un diamant, mais que par exemple, toi, si mettons la ligne verte, si on n'avait rien mis du tout, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tout ce qui n'est pas ailleurs irait automatiquement dans la verte? C'est ça? C'est ça. Ok. C'est un peu une condition else en C++. Voilà. Ok. Semblement. Pourquoi est-ce qu'on se zigounette dans l'eau sans engine? Là, il va nous faire des engines en redstone. De quoi? Quoi, des redstone? Il faut en faire encore. Bon, il faut que je fasse une raffinerie. Allez, on va voir qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie. Ok, je me mets en position de te regarder. Voilà. Alors, il nous faut une round round, des tanks et de la center. Plus de bois. J'en ai du bois. Mange bien. Ah, donne. Derrière toi. Merci. C'est trop gentil. Merci. Alors. Bien sûr, maillot, bien sûr. Tu fais plus quoi que chose. C'est alors, il a encore fabriqué un engrenage en bois. Qui va convertir en engrenage en... En fait, l'engrenage en bois, ça sert à rien, à part à faire de la pierre. À part à faire des restes solendrines. Quelle connaissance. Grand espèce rencontre. Il faut du diamant, maintenant. Une roue en diamant encore, putain. Il m'en faut qu'une cette fois. Ah oui, hein, ça a du coup quoi. Pour ça, je dis c'est chiant à faire en fait. Voilà, maintenant il va nous avoir des torches en redstone. Je sais pas combien il nous en faut, mais 5 ça va suffire. Il va nous falloir des tanks. Merde, j'en ai fait 39 du coup. Ah oui, la fausse manip sur la projectable peut vite coûter cher. C'est ça. Il avait fait de la merde. Mais non. Faut pas si négatif. Hein. Comme ça coulait. Donc ce n'est pas le résultat que nous avons attendu. Voilà. Raffinerie. Ok.
Bon, maintenant il va aller encore des tanks. Pour ça, on va dupliquer du fer. Des tanks qu'on en avait en rab sur le la grande paille. Quoi, les Nicolites? Pas grand chose. Ah, tu veux pomper de l'eau aussi? Ben oui, pour refroidir les motons de l'eau, il me faut de l'eau, quoi qu'il en soit. Eh oui, mon Loki. Ouais, mais là, tu vas nous faire un gros cratère tout moche, plein de courant, du coup. Quoi? Ben oui. Il n'y a pas le choix. T'aurais pu aller plus loin que juste devant la maison. Enfin, la maison. Notre grotte, quoi. Mais plus je vais loin, et plus j'aurai besoin de transport site, en fait. Tiens, salut. C'est les water. Pourquoi il m'attaque pas, ce gland? Pourquoi il m'attaque pas non plus? C'est le la. Non. Putain, on a trouvé Francky, le zombie gentil. Mais bleu, t'as pas Francky, toi. Oh mon dieu, il a tué Francky. La référence n'a absolument pas passé. On avait même encore des engines ici qui en a maintenant, cool même. À faire des engines. J'aime bien, c'est la barrière que j'ai montée en cobble. Chaque fois que quelqu'un veut rentrer, personne ne vous trouve. Je l'appelle la barrière inutile. Ah donc, il y a plein de tanks là-haut à récupérer sur la méga paille, si tu veux. On était loin de l'avoir rempli. Hein. Benzaï. Non, trop tard. Putain, mais il est monté jusqu'où? Il est fou, ce mec-là, quoi. Espèce d'enfoiré, il a tué Francky. Honte à toi. Le seul genre de zombie gentil qu'on a trouvé sur Minecraft depuis des millénaires, il a fallu qu'un abruti qui s'appelle Coolman et qu'il le tue, quoi. On aurait pu le reproduire, on aurait pu tuer dans le condenseur. On aurait fait du génie génétique, on serait fait une armée de zombies à nos ordres. Ouais. Aucune pitié, aucune différence. Aucun survivant. Coolman, il est parti, c'est l'heure. 22h32. Bon, par contre, là, moi, ça me travaille que ça. J'ai l'impression qu'il y a d'énormes frises, là. Ah, moi, c'est pas une impression. Moi, je te parle du live. Oh. T'as un tank qui se promène par terre, là. Ouais, je l'ai pris. il fallait quoi? Il fallait ça. Là, qui va aller... Merde, tu dois te retrouver ou pas là? Merci. Je vais aller là. Là. Encore une fois. Ça creuse vite le query quand même, mine de rien. Mais quand on y fait pas attention, ouais. Hein. Oui, tête du haut, il va LFH2, ça va reprendre. D'ailleurs, très certainement en format live aussi. Je sais pas quand, par contre, j'en ferai peut-être un la semaine prochaine. Ah oui, puis j'en profite aussi pour le dire, bon, donc j'y pense vu qu'on parle de la semaine prochaine. La semaine prochaine, par contre, on ne pourra pas faire samedi de live. T'es quitte, je ne suis pas chez moi. Ok. Voilà. Allez, au revoir. Allez, on va une gosse. Et puis là, de recharger vos murs aussi. Hein? N'oubliez pas de recharger vos armes en trucs alchimiques. Ouais. Je cherche la redstone là en fait, maintenant de suite. Ok, là, donc là il nous a fait des tuyaux waterproof pour pouvoir transporter du liquide. Qui vont vers la raffinerie. Non, c'est pas fini la galère. Bouge pas. Bah, il faut un engine aussi, je suppose, en bois pour pomper. Ouais, il m'en fout de même. Mais je comprends pas pourquoi t'en mets deux à chaque fois. Peut-être que ça va plus vite, effectivement, mais après. Non, parce qu'il va nous en falloir plus loin. Alors ça. Merde, je suis tombé. Ça.
Preston, Jennifer, le piston dégoûté de ma place. Donc j'ai tout. N'hésitez pas à buter les Enderman, les Enderboots, ça vaut 1000 machin. Ah, pour le converteur ? Ouais. Ah oui, d'accord, effectivement. Chasse à l'Enderman ouverte. C'est assez intéressant. C'est beau, la technologie. Merde. Vous vous rendez compte, amis joueurs, grâce au query, vous venez de passer une demi-heure à me voir ne rien faire, alors que sans query, vous m'auriez vu passer une demi-heure à piocher. Bon, je mets quelques ressources dans le convertisseur. Sauver un loup, puis un query. Avec mes ressources. On a 1, 2. Putain, j'en ai plein le cul à chaque fois. Je fais par stack quand je fais un clic droit sur cette table de merde. Je peux me faire des waterproof spikes, Coolman, si c'est pas trop de mauvais. Moi, je vais vous chercher du cactus alors. Combien ? 5, 6, plus. Enfin, juste une unité. Le cactus, on en a vu quoi. Ah, vous ouais, on en a un. Bonne soirée, tête duo. Et même une embois, si tu veux. A plus, ça. Même une embois, c'est vraiment cool en fait. Une embois. Une embois. Alors, Denel qui pose une question. Alors ça, c'est pour vous, c'est pour les ceux qui connaissent. Existe-t-il un moyen de faire que le query travaille plus vite ? Oui. Il n'y a plus d'électricité, plus d'énergie électrique, et là, il va falloir passer à l'électricité, mais là, c'est chiant. Okay. C'est-à-dire qu'un query qui marche à l'électricité, on peut même faire un double query. C'est-à-dire que ce sera sur une très grande distance, au lieu d'avoir un bras qui descend, il y en a deux, qui peuvent travailler assez vite. Mais pourquoi le problème, c'est qu'il faut des panneaux solaires, réserves d'énergie assez violentes pour que ça travaille même la nuit. Et ça se fait quasiment en endgame tech kit, quoi. C'est-à-dire qu'il nous faut des trucs assez violents, quoi. Ou alors à moins de le rusher. Ayou ? Oui. Merci, mon amour, donne-moi. Mon petit bonhomme bleu adoré que j'aime. Hello. T'es un amour. Ça m'excite quand tu fais des trucs comme ça. Oh. Mais ils sont dégueulasses. Alors. Donc, en toute théorie, maintenant. Alors, il y a du pétrole qui est pompé qui arrive dans la raffinerie. Mmh. Et après, il faudrait pas que... Ah oui, si. Coolman, j'ai pas fait de conneries, là. Peut-être. Ah merde, il faut des engines sur... Oh là ah, oui. Le... Oui, il y a l'électricité. Mais il faut de l'électricité minimum. C'est-à-dire, il faut plus que de combustion. Pour un panneau solaire, quoi. Non, c'est, je pense pas que ce soit suffisant, un panneau solaire. Hein. Il faut vraiment énergie violente, ah, au moins de combustion engine, ouais. Pour une raffinerie ? Non. Et j'en ai fait tourner sur le sabre américain avec juste des combustion engine. Bah c'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il faut. Non, pas des combustions, des. Quoique, c'est peut-être. C'est moi qui confonds toujours les. Non, des steams avec des steams. Avec deux steams, je les ai fait tourner. Vas-y, bonne chance. Ben oui, c'est pas doucement, mais ça tourne. Mais extrêmement lentement, en fait, hein. Surtout ça le même. Ben ouais.
Mais bon, ça peut être juste. Tiens, si on a tellement de redstone ninja, il veut dire ça pourrait pas compenser. Non. Tondir. Oh putain, c'est dégueulasse. Il y a The Avenger aussi qui fait remarquer qu'il manquerait pas de l'eau pour la raffinerie. Moi j'ai l'air d'eau dans la raffinerie. Pas besoin, pas besoin. Je sais pas, moi je connais pas, moi je répète. Hein. En fait, ça pour le coup, je sers surtout de caméraman, comme vous l'aurez remarqué, en fait. C'est vrai que la Blue Xephos, dans leur épisode, je pense qu'il a vu ça. Moi aussi, au début, j'étais choqué. Il mettait de l'eau. Seulement, sur serveur anglais, j'ai un peu regardé le truc et tout. Je mettais de l'eau, je voyais pas trop où ça se mettait. Ben, bizarrement, tu vois, nous, on met pas d'eau sur la version tech kit qu'on a là, et ça marchait bien. Alors après, je sais pas ce qu'ont la Blue Xephos comme système. Eux, ils mettent de l'eau, a priori, nous, on n'en met pas. Bon. Donc non, on n'en a pas besoin. Essayez d'en mettre sur serveur anglais. Et... elle arrive jusqu'à la raffinerie, mais elle ne la remplit pas, en fait, ça bloque. Donc depuis, je fais comme ça. Ah, par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a un méga problème avec le live. Pourquoi ? J'ai l'impression c'est une séance de diapo complètement décalée entre l'image et le son. Mais c'est peut-être toi, parce que tu hostes, tu machins, tu trucs. Quand tu regardes le live, ça doit te laguer, forcément. Enfin, j'imagine. Bah, j'espère que c'est ça, parce que sinon, pas terrible. Combustion engine. Il faut encore des pistons, putain, j'en ai plein le cul. On va faire une réserve de pistons, les gars, dans pas longtemps, ça va vous faire Oui, Noël. Nous observons un Coolman dans son milieu naturel. Donc, son milieu naturel, c'est le truc pour réparer les machins. Oui. Il aime bien ce truc. Oui, parce que c'est utile. Je suis pas content. Coolman fâché. Alors, ah bah tiens, il faudrait que ça je connais, ça. Ça, je sais faire. Ça. Des pistons. Et ensuite... Pardon. Et ensuite... Elle marche pas de... Souvent, ça marche pas, en fait. Hein. De quoi ? De raffinerie. Ben non, ça marche pas, je crois, souvent, je suis en train de faire les engines. Mais eux. Hein ? Bon, il va nous falloir du charcoal, mon Loki. Du charcoal, bon, ça, je peux en refaire, ça. D'ailleurs, j'en ai sur moi, je suis con. Ah, ben c'est très bien. Bah là, il est mal positionné, ton chose. Ouais. Je vais le passer au-dessus, c'est pas grave, mais bon, c'est chiant. Il n'y avait pas, donc on va aller sur Dust quelque part. Ok, donc. Tu peux en mettre dedans, s'il te plaît. Là. Là, je mets du charbon. Ouais. Là aussi. Il n'y a pas quelque part. Je sais pas, silence. Et là, ça fait de l'huile. Ouais, là, ça fait de l'huile. De l'huile ou du chiou ? Du chiou, de l'huile, je ne sais plus. Comment ils disent ça, les amerlocs ? L'huile, c'est le noir, le chiou, c'est le vert. Bah, c'est du chiou, là. Par contre, vraiment, je ne vois pas se remplir. Ouais, mais ça va très doucement, en fait. Il faut revenir plus tard. Ça se remplir, ça se vide. Ça se remplit, ça se vide, en fait. Je vois disparaître, le truc. Ouais, parce qu'il y a une petite quantité, en fait. Mais ça va se remplir au fur et à mesure, ça me coûte de temps, en fait, c'est tout. Ça se clique droit pas ? Hein ? Bah, y a pas de clic droit Non, non, non. Version. Non, c'est juste que ça met beaucoup de temps. Faut aller faire autre chose à côté, et dans 10 minutes on revient, il y aura quelques centimètres. Après, voilà, c'est l'inconvénient d'utiliser que des moteurs à charbon et pas à électricité, mais bon, pour le moment, ça nous fait déjà notre petite réserve d'huile. Ouais, bah, et donc, il va nous servir à alimenter les... engines. Des engines combustion. Bah c'est pas déjà ça, là ? Les trucs où je viens de mettre du charbon ? Non, ça c'est des steam, non ? Je sais plus. Non, ah oui, c'est steam pour... engine, là-haut.
Suzuki coupé en plein élan. Steam Engine, ok. Non, mais on a parlé en même temps. Mais je vois, donc le combustion, c'est... Enfin bon, il va brûler de l'huile au lieu de brûler du charbon, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que l'huile, bah, c'est une matière plus riche que le charbon. Ok. On a déjà un début de fioul. Ah, bien sûr. Cool. Voilà toute la merde qu'il faut pour un petit fioul, quoi. Ouais. Ah bon, bah le query, il bosse bien dans son coin. Qu'est-ce qu'il nous fait, Coleman, là ? Il met de l'eau. Mets de l'eau où ? Là où tu te mets de l'eau. Au query ? Ouais. Bah dans ce cas-là, attends, il faudrait peut-être mieux attendre, éteindre le query. Non, pas forcément. Ouais. Non, mais pour pouvoir le mettre une faire une couche bien uniforme d'eau. Ouais. Tomber l'uniformité. Non, mais non. On est sur un bioglèche, l'eau gèle. Merde. Ah, du coup, il va venir récolter le bloc de glace là. Ouais. Mais... Merde, je t'ai pas débloqué la gueule. Par contre, qu'est-ce que ça va faire avec le bloc de glace là, du coup ? Dis-moi de bloquer la gueule. Pas du tout, ça le détruit, je crois. Ah, ok. Ça détruit, hein. Non. De quoi ? On a un petit problème. Quel problème ? Il y a Creeper qui se balade à côté de toute notre source. Ah oui, je le vois là-bas. Viens ici, copain. Il y a un petit problème. Viens, copain. Allez, viens par là. Viens, c'est bien. Reste dans l'eau. Reste dans l'eau et meurs. Non, reste dans l'eau, non. Je te dis. Non. Ah, viens là. Viens faire un câlin, copain. Allez, copain Loki. Voilà, c'est bon. C'est bien. T'as été gentil. Si t'étais vivant, t'aurais eu un scoop de suie. Voilà, il y a une convalescence d'host, je vais en mettre une dans le. Dans le Diamond Pipe. Ah oui, j'avais dit, faut qu'on aille à la chasse aux moutons aussi. Donc, faut deux engines encore, chier, j'en ai plein le cul. Mais merde, y a plus le fer ici. Il y en a un petit peu dans le machin de table. Ouais. Tu veux faire quoi ça ? Ouais. Ah, mais tiens. Pourquoi je peux plus le. Y'a pas une batterie quelque part parce que la batterie c'est pleine. La batterie c'est pleine. Batterie. Oh putain, ah bah c'est tant mieux, c'est pas souvent ça. Ouh, voilà, regardez sous ce rouge. Bon, elle va se vider très vite, elle est déjà bien partie là. Je mets en barre par serrateur, ça va mettre en marche le four, je pense qu'elle va se vider. Très bien. Je prends un petit peu de nicolite et je vais en condenser un petit peu. Ouais. Ok, je vais poser une question évidente, mais qui me chagrine un peu, donc je connais la réponse, je pense. Mais pour les viewers aussi qui se posent peut-être la question. Donc les redstone engines, là, qui servent de pompe à faire avancer dans les tuyaux, ça ne produit pas d'électricité, on est d'accord. Ouais. Quoi ? Ok. Oui. On ne peut pas l'utiliser pour alimenter les machines, ça sert juste au tuyau. Ouais, au tuyau pour les machines de base, donc. Non, je crois que la pompe, ça doit marcher avec la pompe quand même pas. Je me pose la question. Avec la pompe pour pomper, évidemment, si c'est assez puissant, je sais pas. On va essayer de toute façon, on va bien voir. Bon, moi je vais essayer de trouver un mouton ou deux, histoire de nous faire des lits. Passer la nuit.
Ah bah voilà, j'aurais pas eu loin à aller. Pendant un ou deux, puis on voit le... Ok, non. Bon, alors on va expérimenter le Redstone Engine sur la pompe. Voyons voir. Je pense pas. Nous allons voir. Oh, mais si, tu penses forcément, t'es un être humain, sois pas si méchant que ça avec toi. Voilà. Voilà. C'est le moins gentil de Loki. Oh, je me fais chier, j'étais du mob. Voilà, j'ai récupéré de la laine. Oh, un creeper. Oui, ça pique. Ah oui, j'avais pas la bonne hache dans les mains, je suis con. Ouais, bon, je vais arrêter de faire le con, là, je suis en train de me suicider tout seul. Et le calus, c'est très rare de suicider avec quelqu'un d'autre. Ah, t'as jamais entendu parler des suicides collectifs? Voilà, ouais. Mon chat dans déjà, un peu ça se calmait. Ah, et puis de toute manière, je te permets pas de... Je confirme, ça ne marche pas. Compte à quel point t'es en danger de me contredire, là. Mais c'est pas grave, on va faire des combustion engine. Ça nous servira de toute façon. Il va se refaire encore sur ta piston, j'en ai vraiment plein le cul quoi. Les pistons c'est nul. Je vais savoir les faire par cœur, tu vois, j'ai vraiment rêvé la nuit et tout, piston. Non, pas le piston, non. Le piston sauvage qui court derrière et tout. Là, j'en fais et tu mets des blocs d'obsidienne pour pouvoir le semer, tu sais. Le dossier des fours, tu sais. Et l'idée. Ne mange pas. J'ai un four. Oh. Alors ça. Ah. Ça y est, Loki est parti aussi. On va le laisser gambader heureusement là où il est. Non mais ça fait genre 10 minutes que je suis Goulman, il s'en était pas rendu compte en fait. Merde, j'ai plus de cobble. Ah, moi j'ai plus des mobs, tranquillement. Ah, si, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je tue des mobs, et toi? Non, je me fais niquer par des squelettes. Donc t'as encore plus cher quelque part. Non, mais par contre il faut que j'en refasse. Je vais aller récupérer du charbon. Non, j'ai du coal, ça va, mais bon, il faut pas du charcoal quoi. Il reste pas de stack de bûches quelque part? Non, non. Des bûches, pas. Je sais pas, mais là, je vais refaire. Il nous reste du cactus, les gars? Attends, je regarde. Bah, il y en a plein de plantés à l'entrée du désert, hein, si tu veux, t'as très besoin. On avait récolté... T'as pas condensé des kikis de cactus? Bon, bah tant pis. Alors... Farme-moi. Ouais, non, je vais pas faire ça, parce que sinon... Ah, bah, j'ai pas assez de laine, hein, j'y retourne. Retournez-y, hein. C'est vrai que comme le condenseur est en mode diamant, je peux pas le vider là. Oh. Ouh, ben voilà, là. De quoi? Je suis sûr que vous voulez pas savoir. Oh, une grotte honnête. Oh, des creepers. Oh non, pas des creepers. Oh, un écran spawn.
Oh, un volcan. Oh. Oh, de l'eau. Désolé, je viens d'exploser votre mif. Ouais, c'est ça. Oh, le chat. Alors. Ça, c'est bon. C'est quoi comme cahier? Ça, c'est bon. Ah, du basalte. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ah ! Oh, bonjour. Ah, ça m'arrive. Ouch. Bouton. Target Akired. Quel bel anglais. T'as vu ça un peu? Irox. Ah. Non, on commence à avoir un peu d'huile même. Hein. À pouvoir faire une bonne salade. C'est ça. Tu fais une salade avec cette huile-là, à mon avis, t'as plus de chances de te retrouver dans un cercueil que d'être en parlant. Alors à la limite, si tu chies, c'est un peu liquide. C'est quoi cet arbre de fou, là? Voilà, donc on a une raffinerie. Il y a de l'eau qui rentre. C'est on a quoi un comme arbre, ça? Ouais, il va nous falloir le solar panel avant. Il ajoute des espèces de palmiers, le mode, aussi? De quoi? Des espèces de palmiers. Pourquoi tu dis ça? Bah, je suis face à un arbre gigantesque, mais en étoile au niveau de la cime. Sûrement, je sais pas te dire. Sûrement. J'en ai jamais vu, perso, je sais pas où t'es allé, mais... Bah, je suis à 120 mètres de la maison, je suis pas loin. Il a trouvé un arbre spécial. Moi, je suis en train de remplir les pompes. Oh. Il s'est pas mis. Qu'est-ce mignon, qu'ils nous ont fait là? Oula. Ah, ça y est, alors c'est sa pompe à flotte. Il est intrigué. Ah ouais, mais j'ai lancé la pompe à flotte pour remplir les fûts. Hein. Bon, je propose de faire une petite pause. Ouais, on va faire peut-être une petite pause pour voir un peu ce qu'on va faire maintenant. Ouais. Comme ça, on va discuter un peu entre nous. Parce que là, on sent un petit temps mort quand même. Ouais. Allez, on se retrouve tout de suite. À toute. Addition 5-10 minutes, quoi, on va dire. Ouais. Et ça permettra peut-être à ma bande passante de reprendre un peu de poil de la bête. Allez.